Allez, en direct, premier direct, je peux juste jouer un beat. Je suis dans une place qui s'appelle le Bric-à-Brac. C'est un café pour les étudiants à l'immersion. Puis ben, j'ai pratiqué un peu de drum ce matin. Puis que là, je veux juste jouer un beat, juste voir si ça marche en direct. Tiens, comment? Je ne sais même pas comment ça sonne. Là, je joue même pas sur un sonore, je joue sur un Mapex. Mais c'est bien pareil. Ça fait penser au beat de la chanson Funky Drummer de James Brown. Mais des petites différences, c'est pas la même affaire. C'est juste le avoir du plaisir sur un vrai drum parce que j'ai joué juste du drum électronique dernièrement. Fait que c'est ça. Puis aussi, il y a le fait de parler tout seul en direct pendant que je sais qu'il n'y a absolument personne qui regarde en ce moment, mais vous allez pouvoir le voir sûrement plus tard. Bref. Je fais ce beat-là souvent pour me réchauffer parce que c'est des doubles croches à la main droite. Puis à la caisse claire, il y a des ghost notes puis, avec des coups doubles puis des accents. Fait que je fais souvent ce beat-là pour me réchauffer. J'ai le goût en tabarnouche, tu sais, quand d'aller toucher les tomes puis de faire autre chose au snare, mais d'avoir la discipline de toujours faire le même rythme, c'est comme c'est vraiment difficile. Écoute, il y a déjà un professeur qui m'a gagé, je venais d'y acheter une cymbale, puis il m'a déjà gagé 100$ que j'étais pas capable de garder le même beat pendant 3 minutes, puis c'est comme rien toucher d'autre, puis j'ai pas été capable, c'est jamais arrivé, puis je l'ai fait avec des étudiants aussi. Puis il n'y a jamais personne qui a été capable. Puis qu'est-ce que je fais ici en Nouvelle-Écosse? Je suis venu faire des spectacles. Je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation l'autre jour, si vous ne l'avez pas vu. Et puis, je suis ici pour faire des shows. J'ai fait un show samedi le 19 mai avec Jacques Jacobus. Puis j'en fais un demain, mardi le 29 mai, avec Jacques Jacobus, ici dans la région de la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Puis, vendredi prochain, un show de rock'n'roll, rockabilly, en français. Et puis,
puis en français parce que je suis dans un camp d'immersion française. Donc, les live streams vont être dans l'avenir en anglais, mais pas cette semaine parce que je peux pas parler en anglais sur le campus. Et puis, puis quand je vais parler en anglais, ça va être drôle parce que j'ai un accent, je fais des fautes, mais c'est un défi que je me donne, puis je vais sûrement m'améliorer. Puis c'est en le faisant qu'on s'améliore. Puis je dis souvent pia. C'était le fun avec les vlogs, je pouvais méditer, mais là, je peux pas méditer. Pas méditer, là. Méditer. Faire de l'édition. OK, la même affaire. Chaudron, c'est comme ça te tente, tu sais, d'y aller. Je vais arrêter ça là. Il n'y a personne qui écoute. Ça fait 7 minutes presque qui ben, il n'y a personne qui écoute. Et vous allez l'écouter pareil là, plus tard. Hein? C'est pas grave. Et puis, je vais vous montrer un peu la vue que j'ai quand je fais ça. Moi, bien évidemment, je vais continuer par après, mais je vous montre ça. Et il fait clair. Hein? Regarde bien. C'est un peu le bordel ici, mais c'est ici qu'il y a l'atelier de musique qui va avoir lieu dans pas long. Puis je suis venu gosser sur le drum un peu avant qu'il commence. Donc ceci termine le premier live stream. C'était comme un simili-test là, pour voir si c'est le fun, si ça fonctionne, s'il y a du monde qui vont le voir un peu plus tard. Puis en même temps, je l'ai pas publicisé là. Fait que si tu le vois assurément plus tard. Fait que ben bye, à plus tard. Hey, attends, je vais te dire demain mardi, peut-être vers 3h30, 4h heure du heure de l'Est de Montréal, je vais faire un autre live stream. Dans le cadre du sound check, test de son du spectacle de Jacques Jacobus. Salut!